Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jurançon sec millésime 2013, cuvée Confluence du domaine Nigri. Alors, le domaine Nigri est un domaine qui a une surface cultivée de 13 hectares et qui a été créé en 1685. Ça fait 4 générations que c'est la famille Lacoste qui dirige la propriété et on y retrouve aujourd'hui à sa tête Jean-Louis et Nelly Lacoste. Alors, après 3 années en conversion biologique, le vignoble a obtenu sa certification bio, avec des pratiques culturales innovantes, respectueuses de l'environnement, des hommes et de la santé de la vigne. En ce qui concerne la région du Jurançon, c'est une région qui conjugue les influences océaniques avec l'océan Atlantique, montagnarde avec la chaîne des Pyrénées qui est juste à côté, et des températures assez élevées. Ce qui fait que la gestion et la maîtrise de l'herbe sont pour le vignoble du domaine Nigri une nécessité afin de limiter tout ce qui est érosion et puis pour préserver le potentiel des matières organiques des sols et favoriser la vie des sols. Tout ça, c'est ce qui permet en fait l'expression du terroir. Alors, le travail des sols qu'il réalise, ce n'est pas un travail qui est systématique, mais plutôt un travail raisonné et superficiel afin d'éviter les tassements et de laisser les racines des herbes ou des céréales semées réaliser le travail d'aération. Ils attachent une grande importance aux opérations en verre, un grand soin à tout ce qui est palissage et aération des grappes. Et les cépages sont récoltés séparément et vinifiés parcelle par parcelle afin de mieux révéler tout leur potentiel aromatique et exprimer la diversité des sols. Alors il y a un élevage sur lit fine de 6 à 11 mois qui permet de nourrir le vin et qui permet d'élaborer des jurançons avec une forte identité. Alors, si on regarde d'un peu plus près cette bouteille, on voit que globalement, c'est une bouteille qui est très jolie, qui donne vraiment envie. Elle a des belles couleurs. Tout est en harmonie. Si on regarde de plus près l'étiquette, on retrouve sur le dessus le nom de la cuvée, Confluence, le nom du domaine. Alors c'est très joli parce qu'il y a quand même des superpositions sur cette étiquette entre le fond rayé, le N du domaine Nigri, le blason finalement en fond, ainsi que des lettres dorées et en relief. C'est vraiment très joli. Voilà, on retrouve l'appellation tout en bas, Jurançon sec, le millésime 2013. Alors la contre-étiquette en fait est sur le côté. Alors, on retrouve par exemple le logo des vignerons indépendants. Voilà. C'est un vin qui est à 13 degrés. Voilà, et vous retrouverez sur la contre-étiquette les coordonnées du domaine. Alors, ce vin Confluence, c'est un vin qui est fruité, qui est très floral et qui exprime des arômes de genêt, d'acacia, de chèvrefeuille et un peu de fruit de la passion. C'est un vin qui peut se garder 2-3 ans. Il faut le servir à entre 10 et 14 degrés maximum quand même. Il accompagne très bien tout ce qui est fruits de mer, poissons grillés, les charcuteries aussi ou encore fromage de chèvre. Au niveau des cépages, il y a 80% de gros mansins, 10% de camaralais et 10% de losé. Alors le domaine Nigri fait partie des rares vignerons à avoir conservé dans son encépagement le losé et le camaralais. Alors ce sont des cépages qui ont un potentiel aromatique et gustatif qui permet d'équilibrer la vivacité du gros mansin et qui apporte aussi une touche de complexité. Au niveau des rendements, on est sur 55 hectolitres par hectare. Et ce sont des vignes qui ont une quinzaine d'années. Les vendanges se font manuellement et il y a un élevage sur lit jusqu'à 6 mois. Au niveau des dernières récompenses, il a été cité dans le Gerbert d'Urser en 2014. Il a reçu la note de 14 sur 20 au guide Béthane et de Sauve. Et il a été cité dans le guide Hachette des vins en 2014. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de découvrir et de déguster ce vin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Dans tous les cas, aimez nos vidéos, partagez-les, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt !